Tout est dans le doigté. L'appartement du tueur aux origami. Il y a peut-être un indice de l'endroit où il a enfermé Sean Mars. C'est de là que vient cette odeur de brûlé. Des preuves qui sont parties en fumée. Un uniforme de flic. Voilà pourquoi les enfants le suivaient sans histoire. Il se faisait passer pour un policier. Sean Mars. Ce malade a installé une caméra pour regarder le gamin se noyer. C'est la pluie qui remplit le puits. Merde, il y a un mot de passe. C'était ça. Max, le nom que John donnait à ses chiens en papier quand il était petit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une adresse. L'endroit où se trouve le gosse. Vite, y a pas une minute à perdre. Alors, vous avez découvert mon petit secret? C'est terminé, Scott. Tous ces enfants tués uniquement pour trouver un père capable de sauver son fils. Taisez-vous ! Vous ne savez rien. Il reste encore un enfant. Il est peut-être encore temps de sauver ce gamin. Sauvez-le, Scott ! Faites ce que votre père n'a pas su faire.
je saute, je vais me tuer. Il doit y avoir une meilleure solution pour sortir d'ici. Je sais où est Sean Marsh. Il faut que j'appelle ce type du FBI, Jaden. C'est le seul en qui j'ai confiance. Lui pourra le sauver. Norman Jaden. Je m'appelle Madison Page. On ne se connaît pas, je suis journaliste. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors écoutez-moi bien. Ethan Marsh est innocent. Le tueur s'appelle Scott Shelby. Sean Marsh se trouve au 852 Theodore Roosevelt Road. Vous avez bien noté ? Je sais déjà tout ça, Madison. Je suis en route pour le hangar, je vous laisse. J'ai cherché pendant très longtemps. J'ai cherché un père qui serait capable de faire ce que le mien n'avait pas pu faire. Se sacrifier pour sauver son fils. Oh, j'ai cherché et cherché pour moi. J'ai repensé à vous. Tous ces meurtres. Juste pour trouver un père capable de sauver son fils. Juste pour trouver un père ! Est-ce que vous savez seulement ce que ça fait de penser que vous valez moins qu'un chat crevé aux yeux de votre père ? Croyez-moi, j'ai souffert. Autant que nous l'étions. J'ai réussi toutes vos épreuves. Alors maintenant, rendez-moi mon fils ! Il est là. Vous n'avez plus qu'à ouvrir cette grille.
Sont en position. Oui, lieutenant. Ils attendent vos ordres. Parfait. Cette fois, il nous échappera pas. On le descend à l'instant même où il se perd. Hey, vous là-bas, qu'est-ce que vous faites? Lieutenant, je m'appelle Madison Page. Je suis journaliste. J'ai la preuve qu'Ethan Mars est innocent. Il n'est pas le tueur aux origines. Ash, qu'est-ce qu'une journaliste fout ici? J'avais demandé que tout le monde la ferme. Dégage-la d'ici, je veux pas l'avoir dans les pattes. Bien, lieutenant. Allez, venez. Vous allez commettre une énorme erreur, lieutenant. Ethan Mars est innocent, je peux le prouver. J'ai tellement peur. Papa, je savais que tu viendrais me sauver. Sean, écoute. Tu es ce qui m'est arrivé de mieux dans ma vie. Je voulais te dire que, quoi qu'il arrive,
Je t'aime plus que tout au monde. Je ne suis pas mort. J'ai pris le poison il y a une heure. Je ne suis pas mort. Ash, vire-moi ça. Il faut me croire, Mars n'a rien fait. Il est innocent. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites? Seul. Je vais tout leur expliquer. Ils t'auront descendu avant que tu aies le temps d'ouvrir la bouche. Non. On va tous sortir, tout doucement, les mains en l'air. Ils ne pourront pas tirer sur nous. J'ai de quoi prouver ton innocence, Ethan. Alison, pardon d'avoir douté de toi. Je ne pensais qu'à Sean et je croyais... Tout est fini. L'important, c'est que tu aies sauvé ton fils. Soulagement ce matin après que la police a annoncé avoir retrouvé le petit Sean Mars vivant. Plus de 4 jours après sa disparition, le petit garçon était séquestré dans un puits par celui qu'on appelle le tueur aux origami. Cet heureux dénouement n'a été possible que grâce au courage et à l'abnégation d'Ethan Mars, le père de l'enfant qui avait été soupçonné par la police. C'est sans aucun doute son courage et sa ténacité qui lui ont permis de sauver la vie de son fils. Aujourd'hui, la police de la ville lui a officiellement présenté ses excuses.
à la une aujourd'hui. Finalement, la police est parvenue à identifier le tueur aux origamis. Il s'agit de Scott Shelby, 48 ans, un ancien lieutenant de police devenu détective privé qui prétendait avoir été mandaté par les familles des victimes pour enquêter. Scott Shelby a été tué pendant l'opération dans des conditions qui n'ont pas été révélées pour le moment. Disons que c'est un copain d'un copain qui m'a refilé le tuyau. S'il nous plaît, il est à nous. Papa ! Je crois que j'ai trouvé ma chambre ! Alors ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est parfait, Ethan. On va arriver à oublier ce qui s'est passé. On va reprendre une vie normale. Et un jour, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. On a gagné le droit d'être heureux maintenant. Tous les droits. La couverture de World Magazine et est acclamé par tout un pays comme un véritable héros. Il a accompli un exploit en arrêtant la sinistre série de meurtres perpétrés par celui qu'on appelait le tueur aux origamis et en sauvant la vie du petit Sean Mars. Sa détermination, son courage, son intelligence forcent l'admiration. Norman Jayden. Tu es mon fils, Scott. Mais comment as-tu pu oser me prendre dans tes bras ? Quelles que soient tes raisons, rien n'excuse ce que tu as fait. Je ne
ressens que du mépris envers toi. Que du mépris. I want to see them again. I'm a father too.